à tous, je suis Nadia Akari et vous regardez Hot Ninja Entrepreneur TV. Aujourd'hui, je vous emmène encore à la découverte d'une aventure entrepreneuriale avec Julien Guichard, qui a créé il y a un an la marque de jouets pour enfants Les Jouets Libres. Alors bonjour Julien. Bonjour. Et merci beaucoup de nous recevoir ici, dans cet endroit un peu extraordinaire, puisqu'on se trouve à ICI Montreuil, qui est un atelier, espace de travail partagé avec des artistes, des graphistes basés à Montreuil. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes, ce que c'est que les jouets libres et puis nous faire votre pitch? D'accord. Donc, merci de m'accueillir dans cette vidéo. Les jouets libres, c'est une marque de jouets naturellement fabriquée en France. C'est-à-dire que nous fabriquons nos jouets uniquement en France, de manière éthique et responsable. Nous y associons une démarche d'éco-design pour faire en sorte d'avoir zéro déchet dans les jouets en utilisant uniquement des matériaux naturels. Alors quand on a ce genre de projet qui porte des valeurs quand même très fortes, j'imagine que ça vient aussi d'une philosophie personnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a pris de créer votre entreprise? Alors pour créer son entreprise, je pense que radicalement, il faut être un entrepreneur dans l'âme. Oui. Moi, j'ai un papa qui a été entrepreneur, qui est parti de nulle part et qui a réussi à créer son entreprise, une belle entreprise. Donc j'ai été baigné toute ma jeunesse dans la culture entrepreneuriale. D'accord. Pendant de longues années, je n'ai pas pu le faire. Et au bout d'un moment, j'ai tout arrêté pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai créé une première entreprise dans l'Internet avec l'idée derrière de pouvoir faire cette société, cette marque de jouets qui fondamentalement me plaît et correspond à mes valeurs. En tout cas, celle que j'essaye de véhiculer avec cette idée de se dire quels seront les jouets dans 10 ans. Je pense que le jouet demain sera éthique, local, avec des valeurs traditionnelles mais modernes. Mais pour revenir à votre question sur l'entrepreneuriat en tant que tel, je pense que fondamentalement chaque entrepreneur a ça au fond de lui et que pour réussir, il faut vraiment avoir ça au fond de soi. Ouais, et puis il faut tomber sur le bon projet aussi, celui qui nous fait vibrer. Voilà, il faut tomber sur le bon projet. Moi, à chaque fois que je parle des jouets libres comme aujourd'hui, ça me donne des frissons, de la chair de poule, parce que effectivement, à un moment donné, vous allez vous retrouver dans le produit. Et je pense que pour réussir en entreprise, il faut se retrouver dans le produit et mettre du sien dans le produit. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous a particulièrement aidé à votre lancement? Alors, effectivement, les lancements d'entreprise, c'est très difficile. On manque généralement d'argent. Donc il y a deux choses qui m'ont aidé. La première, c'est une association réussie. Donc moi, je me suis associé avec un ami qui est designer, qui m'a permis de donner l'âme au jeu. Moi, je fais plus l'idée et l'esprit des jeux. Il a réussi à donner l'âme qui correspond à la philosophie que je souhaite véhiculer. C'est-à-dire que sans mon associé graphiste qui s'appelle Roman, je n'aurais pas pu réussir les jouets libres. D'accord. J'aurais pas pu me lancer. Et la deuxième aide que l'on a eue, c'est un soutien de Réseau Entreprendre. Oui. Réseau Entreprendre qui aide les jeunes créateurs, les jeunes porteurs de projets, par une aide financière et par un soutien pendant 2 ans, un soutien d'un tuteur et d'un coach. Quand on se retrouve entrepreneur comme nous, avec peu de moyens finalement, on est souvent seul. L'avantage de Réseau Entreprendre, c'est de partager avec une trentaine de lauréats ces problématiques, ces soucis du quotidien, ces réussites, ces questionnements. Donc c'est une aide précieuse et on est soutenu aussi par un dirigeant d'entreprise qui a réussi et qui permet d'avoir du recul et un miroir. Donc ça, c'est très précieux quand on est entrepreneur, c'est de ne pas se retrouver tout seul. Parce que le risque, c'est vraiment de se retrouver tout seul avec ses problématiques et pas réussir à trouver les solutions, tout à fait. Alors aujourd'hui, un an après, quelle est votre plus grande satisfaction? Ma plus grande satisfaction aujourd'hui, moi je suis dans le monde du jouet, donc c'est quand je vois un enfant jouer avec mes jouets. Et quand je vois que finalement j'ai un peu réussi mon pari de proposer à des enfants des jouets différents et qu'ils apprécient. Voilà. Donc moi, ma satisfaction du quotidien, c'est quand je fais des animations, quand je vois des enfants jouer avec mes jouets et qu'ils ont la banane et qu'ils ont le sourire. Et alors, à contrario, quelle est votre plus grosse galère? La plus grosse galère, c'était des galères de production. Ouais. La plus grosse galère, c'est un fournisseur qui, une semaine avant d'attaquer la production, ne vous livre pas. Et donc là, vous êtes face à des dizaines de commandes que vous ne pouvez pas honorer, que vous pourrez honorer dans 4 mois. Donc là, faut expliquer ça à vos clients. Faut faire une croix sur 4 mois de chiffre d'affaires. Et là, pour le coup, l'entrepreneur est vraiment tout seul. Et donc c'est là où des réseaux, des amis, des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, parce que quand on n'est pas dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas forcément toujours comprendre la problématique. Donc c'est là où c'est important d'être entouré d'autres entrepreneurs, d'aller au contact, d'aller vers les gens, et pour partager certaines problématiques et prendre du recul. Surtout, l'idée, c'est de prendre du recul, d'accepter l'échec, mais surtout, par rapport à ça, se dire comment je vais construire et comment ça ne va pas se reproduire. Alors, effectivement, ça m'a aidé à rebondir. Ça m'a surtout
montrer certaines capacités à être agile. Mmh. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur comme nous, où ça fait pas longtemps qu'on s'est lancé, c'est-à-dire que ben finalement, ma première galère de production, elle a eu lieu 3-4 mois après notre lancement. Donc c'est très jeune, c'est vraiment très rapide. Et sur votre échelle temps d'entrepreneur, mmh. c'est juste énorme. Donc l'idée, c'était de se dire comment je suis agile et comment je vais rebondir par rapport à ça. Et en fait, ben, ça vous montre finalement certaines... Ça vous éclaire sur vous-même quant à votre capacité aussi à entreprendre. Et entreprendre, c'est par rapport à ce que vous avez prévu il y a un an. Moi, je sais que ce que j'avais prévu il y a un an, ce n'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Pour autant, j'en suis très satisfait. Ok. Alors justement, quelle qualité ou ressource morale vous sert le plus dans votre quotidien d'entrepreneur ? Je pense que c'est la combativité. Oui. C'est-à-dire que chaque jour a son lot de difficultés, son lot de réussites. Mais effectivement, c'est très fragile. Même au bout d'un an, aujourd'hui, on a plus de 250 ou 300 points de vente, mais on reste encore très fragile. Rien n'est gagné, rien n'est acquis. Et il faut se remettre en question, il faut aller de l'avant, il faut entreprendre, il faut essayer des nouvelles pistes, il faut faire des partenariats avec des gens qui ont les mêmes convictions que vous. Il faut s'ouvrir, en fait. Nous, notre conviction, c'est que pour avancer, il faut s'ouvrir aux autres, il faut découvrir, il faut partager, il faut s'enrichir. Et c'est ce partage qui va nous permettre de grandir. Et alors, qu'est-ce que vous voudriez changer dans le monde avec votre projet d'entreprise ? L'idée, c'est de se dire, au final, le jouet, c'est un symbole. C'est-à-dire qu'on travaille avec l'enfant, mais on est sur des produits que l'on va fabriquer. Donc, ce qu'on aimerait changer, c'est la manière de produire les produits en général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'usine du monde, c'est la Chine. Nous, ce qu'on espère, c'est que les Chinois puissent augmenter leur niveau de vie et que finalement, partout dans la planète, on ait un niveau de vie à peu près correct et décent et que les productions deviennent locales. Voilà, nous, notre volonté, c'est de se dire que peut-être que dans 40, 50 ou 60 ans, les productions redeviendront locales et que du coup, ça aura le moins d'impact possible sur la planète. C'est qui vos clients de rêve ? Alors, mes clients de rêve, c'est le plus embêtant. C'est celui qui va me titiller, c'est celui qui va me pousser dans mes retranchements, qui va m'interroger sur mes produits, qui va me donner des objections sur mes produits, sur la manière de vendre, etc. C'est celui-là mon meilleur client, parce que c'est celui qui va me permettre de progresser. Quel conseil vous donneriez à vos concurrents ? De me copier. Voilà. Faites comme moi. Et voilà, moi, ma plus grosse satisfaction, ça serait que des concurrents me copient. Ça veut dire qu'on a gagné un pari, qu'on a montré que les jouets pouvaient être faits de manière différente, avec une approche vis-à-vis de l'enfant différente également. Moi, j'ai aucun souci à ce qu'on copie mon concept ou mes idées. Après, l'idée, c'était ma valeur ajoutée, c'est la créativité, quoi. Mm-hmm. Et donc, celle-là, je l'ai, et je sais que je pourrais la perpétrer. Et l'idée, ça serait d'avoir toujours un temps d'avance, quoi. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux jouets libres ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux jouets libres ? De continuer à exister. Oui. D'ici dans une dizaine d'années, j'espère qu'on pourra se revoir autour d'une caméra et que on pourra se dire qu'on a gagné un peu notre pari, quoi, de refaire vivre des jouets différents, fabriqués en France de manière éthique et responsable. Voilà, l'idée, c'est que le marché accepte cette proposition et qu'on se revoit dans 10 ans et que tout fonctionne, quoi. Alors, le rendez-vous est pris. Alors, nous faites pas faux bon, Julien. Soyez là dans 10 ans, agrandi, avec un beau catalogue et présent dans tous les catalogues de Noël que vous allez voir des grandes surfaces. J'espère que vous serez là. Quant à vous, j'espère que vous avez aimé cette interview. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter, venez sur mon site nadakari.com et laissez-nous votre adresse email pour recevoir mes vidéos et mes conseils directement dans votre boîte email. Et surtout, n'oubliez pas, le monde a besoin de vous, de votre énergie, de votre créativité d'entrepreneur. Alors vous aussi, bougez-vous et réalisez vos rêves parce que vous êtes peut-être à deux doigts d'y arriver. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. On vous souhaite bonne chance, merci. Bon courage et bon vent. Merci. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.